Et bon matin plutôt. D'habitude de dire bonsoir, parce que du coup maintenant on fait plus, mais maintenant voilà. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Moi je vais parfaitement bien. On est le 26, hein, le 26 avril. Ça y est, les enfants retournent à l'école. Ce qui veut dire que Ricoco va pouvoir reprendre ses lives du matin. Du coup, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Voilà. Donc ce matin. Ça va, j'ai repris le télétravail. D'accord, David. Cool. C'est cool que tu sois là aussi. Alors du coup, on reprend les lives du matin. Du coup, un petit peu le programme de la semaine avant de commencer à jouer. Du coup, ce matin, on est sur le projet Elemental. Et avec un nouveau serveur sur le cluster qui a ouvert Ragnarok. Avec le projet K. Le projet K, qu'est-ce que c'est? C'est un projet avec des dinos tech. Donc des dinos. Par exemple, normaux, comme Argentavis, comme Dodo, tout ça, qui vont être en tech, qui vont looter certains items bien particuliers, donc qu'on peut craft, qu'on peut tamer, qu'on peut faire plein de choses. Du coup, voilà. Moi, j'ai décidé de démarrer à poil, ça veut dire que je me suis transféré de The Center à venir ici, complètement nu, sans armes ni rien, juste mon chimie avec moi, et mon petit fusil admin pour les shiny, c'est tout. Voilà, voilà ce que j'ai pris. Du coup, voilà. Et on démarre complètement de zéro. Donc, on a les niveaux 110, donc ça va. Mais le fil beau rouge, c'est ça. Oh, merci Navi. Merci beaucoup. Merci pour ton sub. Merci ma Navi. Merci, ça commence bien dès le matin. Merci beaucoup. Mais forcément, l'objectif abonné, il n'a pas changé. Bravo, bah c'est pas bien. Attends, ah ça commence. Hein. Ah il me saoule, ce truc. C'est chiant de le réactiver tout le temps. Je trouve ça pénible, faut que je trouve une solution. Ah attendez, hop. Hop, on va remettre objectif final, c'est 50. Et on est à 43. On est le 26, donc si ce serait bien, ce serait avant. Hop. Et voilà. Quoi? Allez, c'est vrai. 05 01. Voilà, normalement. Il est à jour, 43, voilà. Merci beaucoup, Navi. Merci encore. C'est gentil pour ton abonnement. On n'est pas loin des 50. Je t'entends faiblement. Là, tu m'entends mieux ou pas, Navi? Là, ça doit être beaucoup mieux que tu dois m'entendre, là. C'est que le micro était bas. Du coup, merci beaucoup, Navi. Du coup, voilà, on est à 43 sur 50. On est bientôt à l'objectif d'arriver aux émotes. Hein. Une autre émote à débloquer, ça serait cool, j'espère qu'on va y arriver. Il reste 4 jours, mais bon, ça va le faire. Du coup, voilà. Donc, du coup, ça, alors, le soir, ça va être beaucoup de The Hide, hein, cette semaine, hein, mis à part, bah, bien sûr, ce soir, parce que c'est ma soirée off le lundi, comme vous le savez. Sinon, tous les matins, ce sera du Arc. Donc, jeudi matin et vendredi matin. Demain matin, pas de live. Tout simplement, c'est que j'ai un petit bricole à faire et ça va me prendre du temps. Donc, j'aurai pas le temps de live demain matin. Mais on se retrouvera demain soir. Et voilà. Donc du coup, on va démarrer l'aventure. On va voir si Skyjo va bien nous rejoindre. On verra tout à l'heure. Hop, je vous mets le live en direct. Avec le petit jeu. On va se mettre un peu de musique. C'est parti. Voilà. Hop. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte. Du coup, comme vous pouvez le voir, hop. Je suis complètement à poil, hein. J'ai rien, je suis arrivé, machin, tout. Voilà. On a un de mes meilleurs amis aussi qui est arrivé sur le serveur, sur celui-là, qui était avec moi sur la Xbox et du coup qui est passé sur PC il n'y a pas très très longtemps, hein, il y a à peine 10 jours. Du coup qui est arrivé aussi hier soir sur le serveur, avec qui on fera l'aventure aussi en parallèle. Mais lui il sera là que le soir, du coup. Donc voilà. Donc du coup, l'objectif là, ça va être de se recrafter un kit normal de départ, de se faire du stuff, et puis après on ira à Tamim Ptera, et on ira essayer de découvrir, voir ce qu'il y a comme dino, et voir si on peut pas essayer de tam aussi ce matin. L'objectif ce serait de tam au moins ce matin un dino tech, voire deux dino tech, n'importe lesquels, mais au moins
Attends, il y a un truc dans l'œil. Hop là. Ce serait ça l'objectif, quoi. Allez, c'est parti. Du coup, on s'est fait une pioche, on s'est fait machin. Tac, 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 tac. On a des carottes qui sont bien sexy. On arrive à choper. Enfin, qu'on aille se faire un peu de métal. On va aller au-dessus, il y a du métal. On va aller se faire de la peau d'abord. Attendez, on va aller se faire de la peau en bas. J'adore cette map. Ragnarok, c'est pas ma map préférée. Pas loin. Pas loin de ma map préférée quand même. Hein. C'est une map que je connais extrêmement bien. J'ai fait beaucoup de RP dessus. Voilà, j'adore. Moi, je démarre ici. Concrètement, quand vous avez la map, je démarre en NE. Tout le temps. C'est un conseil. Tout simplement, l'avantage de démarrer en NE, c'est que y a deux avantages. Le premier, c'est que vous avez sur le bord de la plage, vous allez voir, il y a des baleines. Les baleines vous fournissent beaucoup de choses. Pétrole, viande pourrie, vous fournissent aussi comment ça s'appelle, de la peau. Donc l'avantage, c'est qu'avec tout ça, vous faites plein de choses. Une peau, bolasse, viande pourrie, narco, pétrole, bah, pour démarrer, quoi. Salut Lotilias, tu vas bien? Bienvenue à toi. Donc c'est cet avantage-là aussi, du coup, que ça vous donne. Hein. Et deux autres avantages, c'est que bah, au-dessus, on a des carottes et des patates, du coup, qui sont fournies. Et c'est assez facile, quoi. Du coup. Alors ça, je pense pas que ce soit un par hasard du mode. Pour moi, je pense que c'est plus ça. Mais il va me pourrir la vie, lui, en fait. Ah ouais? T'as décidé de me casser les pieds, quoi. Ouais, je sais, je sais. Après, t'as pas de baleine, quoi. Tu vois? T'as des petits outils, tout ça. Après, je pourrais tricher et... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pourrais me tuer, chercher un truc, et puis voilà. On va la faire les guites. Il y a plein de poneys en plus, c'est ça. C'est ça, l'Otilias. Il y a plein de poneys. Il y a de la kératine pour faire des selles. Enfin, franchement, c'est juste le top. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte par rapport à mon son de voix ou par rapport au son du jeu. Non, ça va? Ok. Il me semble, Lotilias, il me semble que t'es. Si j'ai pas de bêtises, hein. Tu viens de l'ancien monde, non? T'es sur le serveur l'ancien monde, non? De conneries? Sur The Hide. Hein. Il me semble avoir vu ton nom. Après, je peux me tromper. Ah, t'es avec Robin, avec le vilain. Ouais, Robin, c'est un vilain. C'est un vilain, Robin. En même temps, on va faire des stégos, mardi, comme Robin. Comme vous étiez, je crois, en stégo, il me semble. Ah bah, elle est longue à des peuples, la baleine. Sur une baleine, ce que j'ai eu, quoi. C'est un peu abusé. J'ai eu 2000 de viande pourrie, donc déjà, ça c'est un problème à régler. J'ai eu de la kératine, j'en ai eu plus de 500. Et de la peau, plus de 500. Déjà, rien qu'avec ça, je peux faire 4 sels, machin, chose, tout. Donc, pas besoin de trop se prendre la tête. Hein. On va se prendre un peu de bois, un peu de branchage, on va se remplir les poches. Oh, il y a un gerbois. Moi, je veux un kikibois. Attendez, on va table le kikibois. On se table le kikibois. Viens là, toi, vilain. Ah, il est 55! Mais je crois que j'ai le temps en fait. Avant de le tam, non? Vous en pensez quoi? Ah, si, c'est bon. Ça passe. Je me suis dit, je vais mourir, je vais le tuer, moi. Tu vas être seul? Pour cette aventure? Non, 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 je suis pas seul. Il y a du monde sur le serveur. C'est un cluster qui est ouvert à la communauté. Ou. Toutes les personnes qu'on connaît bien, éventuellement qui viennent sur le stream, mais avec qui on discute souvent, peuvent venir, déjà. Et moi, dans ma team, on est plusieurs. On
est 4, 5, on est 5 au global, du coup. Donc, mais pour les matins, je serai certainement seul, voire il y aura peut-être Skyjo qui sera avec moi aussi. Alors, on a un Kikiboa, c'est parti. Hop. Alors, on va se faire l'objectif là, métal, faire des forges, faire brûler tout ça, commencer à se faire des outils, et après on y entamera. En bois, on a quoi? 200. Okay. On va se faire ce qu'il faut pour faire des forges. On va faire combien pour faire deux, quoi? Il m'a manqué de la fibre pour faire deux. Ok, c'est parti. Prends du bois, hop. Ouais, c'est la vie. On va se faire un peu de fibre. On s'est installé hein, quelque part. On s'est installé, c'est un bien grand mot. On s'est posé, on a posé nos valises à un endroit. Tranquille. C'est toi le vilain. On va voir si on peut choper Cristal, ce serait cool. Cristal, faut suivre la rivière là-haut là. Hey, viens là toi. Salut ton deux ailes, t'as rien raté. Merci pour ton follow. Lol. En vrai, tu préfères Pramaïfia? Après, c'est pas la même chose, tu vois. Le mode élémental, il est bien. Ouais, bien sûr. Après, Pramaïfia, c'est top, quoi. Après, le mode élémental est bien. Hein, concrètement, c'est un bon mode. Le principe des dinos élémentaires. Dino de feu, glace, tout ça est super cool. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, c'est pas un Prime Elfia. Mais franchement, le principe, le mec, le mode, il l'a vraiment travaillé. Mais quand je vous dis travailler, c'est vraiment bien, quoi. Ouais, c'est ça, surtout ceux qui font dedans. Oh, il y a des moutons là-haut. Oh, c'est cool. Il y a des moutons déjà. Ça, c'est bien, c'est une bonne idée. Steamberry. Je suis sur Ragnarok, bon 2. Bon 2 d'elle. Oh oui, il y a un Teratech. Vous voyez le Teratech là? Le petit Teratech, je sais pas quel niveau il est, mais... Tu vas boire. Hein. Donc là, si vous suivez le bout de la rivière, logiquement, vous avez du cristal. Alors c'est pas dit que j'en chope parce que vu que j'ai pas d'outils en métal, j'ai des outils en pierre. Mais bon, on va voir, on va essayer. Ouais, le try tech aussi. Il faudrait un peu, un petit peu. Un de cristal. Je crois qu'un ça va pas suffire pour faire la space glass.
2 de cristal. 3 de cristal, je crois que c'est bon. Je crois que c'est 3. Enfin, la Super Spike Glass. Oh, mais c'est bon, j'ai assez de métal pour en faire une. Tech. Ah, il faut que je l'apprenne. Putain. Hop. Je suis en forme de K8. C'est bon. Ouais, c'est celle-là où on est installé. Mais on va pas, on va juste installer en fait Vizdev pour se placer quoi. Du coup, ça on va le mettre là. Ça c'est les pics du mode. Ça va aller là, hop. Et on va aller se faire un mouton. Et on va regarder le Ptera là-haut. Le Ptera Tech. 55, c'est de la merde. Chier. Nique ton fiche. Niveau 15. Mouton. On va se faire de la viande de mouton. Oh, il y a un Tekovi, regardez. Il est trop beau. Un peu trop élevé, ce serait bien. 130. Ah, il y en a un autre Tekovi, là. Non, elle va pas me donner de mouton. Il y en a, toi. Vous voyez, le pic lui donne de la torpeur. C'est un peu comme les pics dans Primal Fear. C'est le même principe. Quoi, tu vas m'attaquer? Non, comment pas. Ouais, tu vois, je pourrais besoin de trop de me casser les pieds. Bon, vraiment, le but, c'est pour récupérer de la viande de mouton. Hein. Pour Tam, hein. Je pense qu'on se met bien là, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'on se met bien. Après, les 55, mais en soi, on s'en bat un peu les steaks, quoi, qui sont 55. Bon, la plaine, c'est le mieux pour démarrer. Concrètement, ouais. C'est mieux quoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Tac 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 tac. Ça, on s'en fout pour le moment. On va se nourrir comme ça. Ok. Oh, il y a un 150 là. Putain. Okay. Vas-y. On va essayer de se faire une bolasse. Je pense qu'il va falloir que je les apprenne les bolasses. Non, c'est bon, je les ai. On va s'en faire 6. On va essayer. Alors, je crois, si je dis pas de conneries, que le Ptera Tech, tu peux pas le bolas. Il me semble. Je sais plus. Je sais plus si je dis pas des bêtises ou quoi. Voilà, super. Allez, approche-toi plus, Nicolas. Au lieu de faire des conneries, avant qu'il s'envole. Et putain, Nick. Ah si, il se bolasse. Alors, l'avantage du pic aussi, c'est quand tu l'endormes, en fait, sa faim descend tout de suite, en fait, normalement. Ah non, pas celui-là. D'accord, ok. Pas sur le Ptera Tech. Ok, j'aurais pensé que sa faim aurait descendu, mais non. Bonsoir. Le Tam, il est en x6.
Est-ce que ça se tape pareil qu'un dino normal? Bon, les 55, hein, je suis d'accord avec vous, il est tout pourri, hein, mais on s'en fout. C'est histoire de. Alors, pour répondre à ta question, Etilias, oui, tu peux venir. Ça me dérange pas. Parce que t'es quelqu'un que Robin connaît. Une seule condition, faut que tu sois sur le Discord. Donc, tu fais point d'exclamation Discord. Et tu viens sur mon Discord et à ce moment-là, tu auras toutes les infos pour pouvoir revenir avec nous. Il n'y a pas de souci. Écoute. Et tu auras accès à tout le cluster, du coup, aux trois maps. Merci David. Bon bah voilà, on a un terrain. On va équiper une selle. Je suis en majuscule quoi. J'ai pas appris là, c'est forcément. Franchement, moi, c'est un conseil que je dis. Tu viens avec ton perso, mais tu commences tout nu, quoi. Enfin, franchement, c'est. Je trouve ça beaucoup plus. Beaucoup plus sympa. Trouve ça beaucoup plus sympa. On va lui faire une selle à ce terrain. Vas-y toi. Je vais mettre un peu de poids. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il n'y a pas pouvoir me soulever là. 191. Pareil, on va servir de transport. Moment, il va trop fou le monde. Ouais, celui-là comme ça. Augmenter les gamins. Tu le fais là, dans le chat? Tu le fais dans le chat? Là, il y a des allosaures encore, quoi. Ah ouais, et puis je fais comment moi là? Ils sont encore devant la maison quoi, c'est con. Je suis grave dans la merde en fait. Voilà, tu vas là, tu cliques dessus et tu viens sur le Discord. Tu verras dans le règlement, t'as un petit emote à cliquer. Et du coup, ça te donnera accès au viewer. Et moi, je vais te donner l'accès à Arc quand tu seras arrivé sur le Discord du coup. Alors, vous voyez, l'objectif c'est là, là. Bah, il y aura peut-être peu des méchants. Alors, si on passe normalement discretos, peut-être un peu trop encore. Qui vont nous voir. Ah, ils ont pas vu, c'est cool. Good. Alors, hop. Ah, oh, ça part pousser. Putain. Le métal, il a part pousser. Ok. Ouais,
je te donnerai pas par Steam, comme je te disais, c'est par Discord que ça se passe. Alors, attends. Arc, voilà. Tu regarderas sur mon Discord, dans l'onglet Arc, tu as toutes les infos pour démarrer sur les clusters. Tu peux soit commencer par The Center, soit par Walguero, ou soit par Ragnarok, et tu télécharges la liste des mods. Voilà, tout simplement. Hop, je regardais un truc. Mais non, j'ai pas pu et puis j'ai pas fait surtout. Alors c'est parti, on va commencer à craft les deux forges. Ah mais vas-y, il faut rentrer une première. Même sur Ico, bonjour. Yep, ça va Sky? Ouais, ça va. Ça me bouffe des narcotiques. T'as spawn ou toi? Ouais, deux, comme d'hab. Je spawn tout le temps là, moi, sur Rania. C'est beaucoup plus simple pour faire les trucs. Laisse-moi tranquille. Je suis avec King B là. Je veux une box. On va faire deux forges. On va baisser un peu le son de la musique. Alors, tu sais, tu spawns avec les espèces d'implants de couleur là. Ouais, on a regardé vite fait hein, avec Baldrick. Ouais. Ben, moi j'ai essayé le rouge. Ah Du oui? coup, depuis tout à l'heure, je suis en PLS de vie. Bah, tu sais que j'ai essayé le rouge hier soir, hein, j'étais en GSM. Et du coup. Du coup, ça a flingué. Alors, ça m'a fait sortir un truc comme si que j'avais une Reaper dans moi. Ouais, sauf que c'est des cailloux que ça envoie ou un truc du genre. Ouais, ça a déglingué tout ce qu'on avait à côté où on s'était posé. Donc en fait, tout le métal et tout l'obsidienne qu'il y avait enfin, ici, normalement, il n'y a plus Ah merde. rien. Ok, allez, arbalète, flèche, lance en métal, bouclier, épée, hache. Donnez-moi une pioche, les gars. Non? On va pas me donner une pioche? Bientôt plus pouvoir bouger avec toutes vos conneries. Hop. Ok, je suis bien. J'ai un peu trop d'arbalète, mais je suis bien. Je vais garder deux arbalètes. Ça, où je bouffe. Où je vais crever. On fait fondre du métal. Il y a du métal ici, il me semble bien aussi. Ok, je peux garder tout ça, ça me fera pas crever. Bah, ça me fera pas crever. Je serai pas trop lourd. Maintenant, faut que je bute un truc. On part de la peau. Allez, je suis en train de regarder un beacon, mais je peux toujours le regarder. Je verrai pas ce qu'il y a dedans. Hein. Bah oui, tu vois un peu ce qu'il y a dedans.
Allez, commence le gerbois à pas prendre tes flèches. L'avantage du NE, c'est que t'as les baleines sans prendre la plage. Du coup, pour avoir de la peau, des narcotiques, tout ce qu'il faut, on t'a Ouais, c'est cassé les vrai. pieds. Ben, moi, je suis souvent vers la hausse, comme ça, je me fais full stuff avant. Ça va du style, J'étame un je sais Ptera. pas, propre. Un boom, c'est un Ptera Tech. J'ai trouvé 55. Hein. Ah, c'est pas ouf. Ouais, pour commencer. Hein. Commencer, c'est bien. Tac. Partage, hop les deux. Petite armure. Ce qui va être chiant, c'est ça, c'est le bois qui va manquer, quoi. On allait faire masse bois, quoi. Je vais le vider et puis. Dans l'armoire. Hop. Est-ce que là, il peut me porter au moins? Ouais, il peut me porter. Ouais, paf, on va faire ça, on va faire des chaises du coup. Je peux encore mettre le viande des pains? Non. On va se faire un terrain. Voilà, on a fait le terrain, on va se faire du bois. L'avantage, c'est que maintenant les allosaures, ils sont où? C'est con. Ils étaient là. On va y descendre plus bas. AFD. Utilise la force divine. Explosion. Sur les mastam. Sur les mastam. Vous le sentez la mort de Ricoco en direct? Il va se faire bouffer le con. Bon bah voilà. Regardez longtemps le terrain. Et en plus j'ai pas de vie. RIP. Ah. Merci. Ah. Ah! Et en plus, Mangez-moi j'ai pas! pas de vie. Mangez-moi pas! C'est pas grave, je suis en N9 donc pire des cas. Eh merde! J'ai pas réussi! Oh putain! Il me fatigue. Tant pis, j'ai décalé déjà les. Plus important, j'ai décalé les alosins qui sont maintenant ici. Merci, j'ai pop. Hein, pas de punkill. Ok. C'est en train de me casser les pieds. Mais c'est quoi ça? Laisse-moi tranquille là, C'est un salopon des dilo. Hornis. Il y a un truc tech là sur le bord de la plage, c'est quoi? Ah, j'ai vu moi un Oh, c'est un lystre gouigoui. olympique. C'est un J'ai gouigoui. vu. Oh, il y a un truc qui vole là-haut, on l'a vu, je sais pas pourquoi, je sens que c'est. Oh dodo. Salut dodo. Moi, je dirais que là-bas, c'est le mois de tech là-bas. Toi, tu mérites. Dodo, il t'as l'impression qu'ils ont transformé à tout moment les Mais il techs. est mort. Mort. Le pauvre. Vas-y, mais. Ouais, ça donne masse, masse, masse. Hein. De tuer des dodos, de tuer des trucs tech. Wet Starvent narcotique. Il faut un. Ah, ok, il faut des trucs stone. Ok. On va aller se refaire un terrain. Après, il était 55. Il était 55 le Ptera quoi, tu vois ce que je veux Sa dire, vie fut courte. Alors, c'est du pas ouf coup, quoi. une chionne. Au niveau de la stam, dans tous les cas, 55 c'était sûr que. C'est sûr que ça allait pas être super quoi. Il faut du silex pour me faire des pierres. Des pierres, des flèches.
pas si on va s'installer dans la grotte. Moi je me tâte, je préfère m'installer dans la grosse grotte. Je pense que c'est ce qui va se passer. Laquelle, la tour verte là? Tour bleue. La grotte tour bleue, laquelle? Il y a une grosse grotte tour bleue. Il y a une grosse grotte. Je pense qu'on va s'installer là. Celle-là au-dessus de la cascade là. 130 celui-là. Sinon il y a la grotte tour verte qui est sympa. Hein. On en parle du mouton que j'ai plus sur moi. Que t'as tour verte, t'as la grotte, plus du coup c'est des entrées aériennes, plus le lac en dessous, plus la grosse plaine de la tour verte. Plus on va boire un café. Moi j'ai plus. Ouais. C'est ce qui me semblait bien. T'as perdu quoi? J'ai plus de moutons. Je l'ai mis dans. Je l'ai foutu dans mon armoire. Je suis débile. Du coup, je peux pas t'aimer. Tant pis. Il va rester là. Ils sont de base, on était pas venus pour ça. J'ai des flèches. J'ai des flèches. Ok, réparer. On va faire tout diviser. Hop là, M Marseille. Bon, la première chose que j'ai fait, c'est des pics du mode. Les pics. Tu sais, les pics qu'on a utilisés tout au début du mode élémental. Ah oui, c'est vrai, les tranks. Les pics tranks. Comme dans Primal Fear. Tout le monde a cru que j'allais mettre le mode immersif Tami. Quand j'avais annoncé hier après-midi qu'il allait avoir un nouveau serveur. Dans le cluster. J'ai dit non, 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 l'immersif Tami, ça sera pour après Genesis 2, on a dit Excalibur. Non, madame, monsieur, non. Vas-y, attends, je vais chercher le beacon, là, il y a un beacon, je suis con. Attends, si c'est par là qu'on monte ici, ouais. Bon, l'avantage c'est qu'on est débarrassé des Alozas. Du coup, on va pouvoir remonter, se refaire un terrain tranquille. Ah, super! Ah bah super! On va se refaire du mouton. Normalement, ils sont encore là-haut, les moutons. Print du carré de culture, super! Hein. Cool l'ambiance. Hein. Ouais, mais ça avait pas l'air de hyper du monde que je mette Genesis 1. Donc, du coup, bah voilà, j'ai décidé de mettre un Yorke. Vu que plein de monde connaissent bien la map Ragnarok, c'est plus sympa pour découvrir un mode. On va se faire le mouton qui est là. Voilà. Toi, je vais te buter là-bas. Attends. Ouais, je veux pas venir te buter quand même. Parce que je vois qu'il y a un gros monsieur T-Rex là-bas. Il paraît vachement grand quand t'es par terre le T-Rex quand même. Oh, putain. De quoi? De quoi tu parles de quoi? De Genesis 2? En avril? Ah non, il est pas en avril Genesis 2, il est le 26 mai. 26 mai. Dans un mois. Dans un mois jour pour jour. Dans un mois jour pour jour. Ouais, on va dire le 27. Hein, parce que... Ouais. Parce que le 26 à... Le 26 à 22h, tout le monde sera là à essayer d'en PLS devant Steam pour essayer d'installer le jeu. Mais vu que du coup, ben... Et vu que j'ai une code roumain... Vu que j'ai une code roumain, ce sera le 27 au matin, mon dieu. Surtout qu'ils sont jamais à l'heure. Hein. Je pense qu'on a assez de fourrure, on a assez de viande de mouton. Oh, il est stylé lui, mon gars!
Attention à garder ça en fait. Eh, le Pelagornistek, il est archi stylé. Ah ouais? Ouais, je le... Hier on a Ok. vu hier avec Baldric on a vu un Gigatech. Tu verrais le Ok. Gigatech? Là ce qu'il est aussi. Lignium métal et magnésium. Oui, il donne des D'accord. trucs en fait pour craft. Donc, Ok. on va aller voir un peu plus loin s'il n'y a pas un Pteratech. Parce que j'ai vraiment un tam que du tech en fait. Que du tech, voire bon, des dinos du mode élémental possible, mais que des trucs tech ou des dinos élémentaires. Pas du classique. Putain, c'est vrai que c'est un spawn à mégalosaure ici. Quand tu montes là-haut, c'est ravageur. Donc ça donne 8 de chaque. Check magnésium, can be flint alternative. D'accord. Fiorerie, pièce au stuff. Ok, donc ça veut dire que là-dedans, si tu tapes, je sais pas, par exemple, tech. Ah, Teratech. Regardez. On laisse le faire. Voir les herbies, peut-être un herbie pas tech, voilà, c'est possible. Mais voilà. Pastèque, non, c'est pastèque. 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 Ciment, on va débloquer. On récupère un stem. Rapid crawl chamber. Bonjour. Oh là, déjà c'est 85, c'est un peu mieux déjà. Allez, Ah, t'es c'est beau, bon. jeu de mots. Toi, t'as un level pourrave. Le Rex là-bas. Ouais. C'est pour ça qu'on aura des dinos élémentaires, mais voilà, bon. C'est là pour découvrir ce mode-là qu'autre chose, quoi. Ça c'est 45. Et ça c'est 25. 25. Tant qu'il stam, on va se faire un cheval. Pour se faire de la narco, tout ça. Il faut des mantises de compète pour samedi. C'est pas la licorne là? Ce sera pas là peut-être les cornes qui sera en face? Par hasard? Je crois qu'elle est plus blanche que ça, la licorne. Je peux voir une corne, mais non. C'est pas la licorne. Non, c'est un stone. Il vaut combien le stone là? 55? 15? 20? C'est quoi ces niveaux de merde? 130. Allez hop, go. Et l'autre là-bas? EQSR niveau 20. Bah vas-y, nique ton fiche le cheval là. Je suis juste à côté de toi, j'ai même pas le temps de mettre la carotte. Non, par contre, lui, tu l'as mis la carotte. Ouais. Allez hop, salut. Bon alors, tu te calmes? Hippocampe de merde, calme-toi. 150. Plus les dinos shiny, c'est 180. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les chenilles aussi. La licorne, c'est ici que tu les trouves souvent. Je sais pas où elle l'a trouvé, mais... Ouais, les dinos shiny, c'est 180. Donc on peut avoir éventuellement des dinos tech shiny 180. Mais Vorace, vous, qu'est-ce qui vous arrive à vous là? Ah ouais, c'est ici. De toute façon, les shiny, c'est ici. On a vu que le Ça terrain vous là-bas, il fait est du fait. Tyrannis là. Va falloir que je fasse des saouls.
Ce sera beaucoup plus simple. Ah, par contre, comment ça me faire chez les Spirornis là? Je sais pas si les dinothèques peuvent plus monter en level. Je t'avouerai que j'ai pas trop lu le mode, faudrait que je le lise un peu plus. Hein? Je sais pas. Donne-moi ta peau. Tu vas où là, tu Allez, reste là. Non, je veux pas que t'ailles à droite. Allez, encore une, c'est bon. Bah, tu regardes, vas-y. Voilà. Ça, problème réglé, on pourra se faire des... Toi, t'es 50, t'es tout nu. Allez, putain. Emmener tout ça à la base. Allez, on va faire les outils en mi-tool. Elle aussi, 90. Et du coup, t'es posé en combien là? En L2, je suis en 1977. Bon, le mieux, prends-toi pas la tête, c'est tu prends ton stuff, tu crèves. Ah, mais tu pop au point de spawn. Non, il n'y a pas de commande pour le multistream avec Skyjo le matin. Ah, mais j'ai pas de cristal. On fait point d'exclamation Sky. Faites. J'ai pas de cristal là. T'as vu? Point d'exclamation Sky. Essaye point d'exclamation Sky. Je crois qu'il y a peut-être la Je vais commande faire du soir quoi de mon de parasol? fonctionner. Non. Tac, tac, tac. Attends, je regarde vite fait, je vais pas pour autant. Bonjour monsieur Wizbot. C'est pareil, les sons d'alerte qui marchaient pas hier. Je vois quoi. Il y a des jours comme ça, sans envie de faire chier, tu sais pas Les pourquoi. gens, ils ont payé avec leurs points, mais ils ont payé, ça ne fonctionnait pas. Alors, les commandes. Alors ici, il n'y a pas de cristal, on est d'accord. Putain, les fleurs rares, on va les prendre. Ah, viens, je sais le par hasard, suis-moi. Merde, connard. Viens, par hasard, suis-moi. Le nom c'est NTF Elemental, mais sinon de toute façon t'as les adresses IP quand tu regardes dans les trucs Arc. T'as toutes les adresses IP. Tu trouveras. Ça doit fonctionner Navi, si tu veux réessayer. Tu peux réessayer. Point d'exclamation Sky. Logiquement ça doit fonctionner. Vous aurez le lien du multi-twitch du coup, avec ce qu'il y a. Viens un petit par hasard. Je Je sais plus t'emmène à notre la truc. tombe. On est là-bas, nous.
Bien, mon petit. Là, il y a du bois et du métal, on va se faire du bois et du métal. Hop, il me saoule. Ça me saoulait de trimballer par hasard, j'ai mis un coup de tanas à la gueule. Allez, hop. Avant qu'il soit froid, parce que le matin on tape froid, c'est pas terrible. Pourquoi? Sur Discord, t'arrives pas à trouver les adresses IP? Tu vas dans la section sur le Discord, tu vas dans la section Arc Server. Regarde. Arc serveur et t'as IP et règlement et t'as les adresses IP qui sont là. Et tu y as accès, donc normalement tu dois le voir. C'est en dessous vocal. Sur Discord. Ok, je vais arriver, voilà, je suis mort enfin. Et tu choisis NE pour spawn. Iron NE. En haut, ouais. En haut à droite. Bon, je vais me rhabiller, ça. J'ai les poches pleines. Pourquoi vous voulez plus la forge? Oh, y'a un mouton. Ah, nick, j'avais pas allumé. Débile. Vas-y, meurs, tu vas me donner à manger comme ça. Hop. Alors. Je crois que ça régène trop vite ça, non? Les moutons instables leur vie, elles se régènent vite, non? Je sais pas du tout. Je sais pas, tu les fais à l'arba classique ou... Oh putain, je savais bien que ça allait faire une connerie. Ah salut! C'est Bronto qui a pris la flèche. Allez. Oh merde! Oh, alors qu'est-ce qu'on a? On va se faire des tools peut-être. T'as du cristal là? J'en ai un petit peu. Du ciment, des lingots et de la poulie. Ok. Au moins déjà. Oh putain, j'ai de la tête, hein, encore. Quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est pas grave. Smithy. Du coup, vas-y, attends, je prends ça. Je t'aime un copain, et puis j'arrive. Anthony. Ah, mais. Putain, ça me saoule depuis avoir le truc de débloquer. Alors, le mot de passe, c'est ça? Alors, du coup, on a. Je t'ai envoyé le mot de passe. 77, tu peux aller par là-bas. Ah, t'es rentré un petit peu vers le pic. Ouais. Je suis dans la grotte qui est au-dessus. Wow. Tu connais la grotte?
laquelle? T'as une grotte juste au-dessus? Ça m'a chauffé le bon taux. Je présume que c'est les allosaures qui t'ont tué, ceux-là là-bas. Oui. C'est bon? Ok. Allez, petit oiseau. Monte. Là, j'ai pas besoin. Ça met de côté, ça met de côté, ça met de côté, ceci, 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 ceci. J'ai de l'opsy. J'ai de l'opsy? Ah ouais, j'ai de l'opsy. Cool. Hop. Faut que je me débloque les armes de bête. Hop. Arbalète. La faucille. On s'en fait avec une mêlée. Bonjour. Bonjour. Laisse Baldrick tranquille, toi. Bah vas-y, ma classe. Il est gentil, Baldrick. Il apprend à... Lâche le corps. Il apprend à plus être sur Xbox. Vas-y, viens là que je t'invite. Change le nom de la tribu. T'as été 150 le dedans? Ah ouais. Attends, faut que je fasse ça avant. Hop, hop. Vas-y, recommence. Tiens, je te mets mine. Voilà. Bouge pas. Parce que sinon le dodo il aurait pété là. Je vais tout de suite le nom de la tribu. Le nom de la tribe. Tiens, vas-y, attrape ça. Attrape quoi? Ça. Tiens, cadeau, cadeau. Bah, trop tard, je viens de te crafter. Bah, je t'ai dit que j'avais fait les box. Mon gars, j'ai 5 arbalètes. Bah. Hop, 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 hop. Hop. Ah, ouais, jeter mes vieux outils en perte, pourrache. Ah, faut que je fasse une pioche quand même, parce que la pioche, un truc tout pourri. Tiens là, du métal, ça. Je te passe une spyglass. Du silex. Ah ouais. Peux-tu voir, j'allais boire, putain, parce que... On va mettre ça là-dedans. Tiens, ça là-dedans. Je la mets dans le spicy. Yes. Ok, pas de soucis. Bah si t'es sur Ragnarok, ouais, c'est pas les mêmes modes que les autres. Hein. Il y a deux modes en plus sur Ragnarok. Qu'il n'y a pas sur... Voilà. Les modes sont différents en fait. Et une map à une autre. Sur Valguero, vous allez retrouver les modes Jurassic Park. Sur ici, c'est le mode de Dinotech, mais toujours en gardant le mode élémental. Quoi. Je me fasse ça. Et ça. Alors pierre, kératine, machin, truc, là-dedans. Électronique.
Voilà. Et partout. Bonjour, je suis tout en tech. Hop. Merde, je viens de poser un truc que je voulais garder. Ah, c'était ça. Ok. Une pioche. Une pioche. Tac 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 tac. Donc on est pareil, c'est pas mal, on est bien. Arbalète, on va prendre. On va commencer à faire de la narco. Débloquer tous les trucs en métal. Puis Ok. faire la petite pioche. Et je vais faire de la narcotique. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, voilà, hop, ça dégage à toute la pierre. Après, Lotilas, si tu veux, tu peux aller sur le Discord, tu as le vocal et il y a les vilains. Actuellement, je crois qu'il y a le vilain papy, il y a le vilain pastèque qui sont là. Donc, si tu veux y aller, vas-y, hein, t'hésites pas. Hein. Les gens qui sont dans le vocal Arc, tu peux aller les voir. Hein. Ils seront Par contre, contents de il y a t'aider, Pteranodon, surtout pour le mode on en élémental. parle. De quoi qui s'est non? Pourquoi ils ont mis un putain d'implant gigantesque sur la tronche? Ouais, je crois que c'est tous les dinos, même ça. Tous les dinotech. Bah non, pas le take dodo là, il a pas un énorme implant sur la tronche. Je suis pas un vilain. Allez. Bon, papy pas vilain. Pastèque est vilain. N'hésite pas, ils seront là pour t'aider. Avec grand plaisir. C'est pareil, on va se faire la box là du seed farm là, pour se faire tout de suite de la narco là, beaucoup plus vite. Hop, on va la déverrouiller elle est là. La spoil bin. Qu'il y a dans le coin qui traîne. On va se faire un autre terrain quoi. Ça va être top quoi. T'as posé un lit? Non, je vais le faire tout de suite. Ça peut être un bon plan. J'ai un tech obis. Ah, vous pas le tam. Je tire de flèche à côté, je suis puissant moi. Mais prends pas de dégâts. Ouais. What? Narco va se faire. Ah non, il prend pas de dégâts ce coup. Ah ok, les flèches, il a pas envie. Ça va poser là, ça va poser là, ça va poser là. Ça va poser là. Tac, 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 tac. Ça dégage, ça dégage, ça on garde sur nous. Ça va là. Ok. On va faire ce qu'il faut pour se faire des flèches. Passer où le corps de mon novice? On va essayer de pas le buter celui-là, J'entends hein. Ça serait bien. du bruit comme quand il lâche les trucs tech par terre là, mais ils sont pas là. Vais voir s'il n'y a pas un autre Terratech. Putain, c'est une vilaine Gridou, c'est déjà fait. Pose un lit. Putain, oui. Putain, merci Pastèque. J'ai complètement sorti de la tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a capturé la licorne 140. Ah ouais! Moi, elle a déjà coupé la licorne, cette vilaine. J'ai pas débloqué les lits? Ah si. Moi des patates, moi des carottes. Alors, durée de vie du Ptera. Combien de temps va-t-il le garder, Coco? 20 minutes!
Est-ce qu'il faut pour se faire 4 fondeurs en bois? Ouais, c'est bon. Ouais, donc Valdric, ouais, c'est un pote, il s'est acheté un PC là. Et avec qui je joue tout le temps sur. Je jouais tout le temps sur Xbox en fait. D'accord. Et avec qui je faisais du RP beaucoup aussi sur Xbox. C'est mon constructeur, c'est notre constructeur. C'est des trucs de ouf. Et là, il va se faire plaisir. Je te dis que je lui ai dit là. Je lui ai dit, tu vas te faire plaisir avec tous les bots là. Un jour. Quoi pour faire le Un jour con? en RP, il s'est appelé Baldric et depuis j'ai toujours appelé Baldric. Et ça fait 3 ans que j'appelle Baldric. Même en vrai, hein, je l'appelle Merde. Baldric. Ah, le pauvre perso, il le suit à vie, quand. C'est ça. Voilà, les Attends, trois lignes donne-moi sont de la posées. soie. Je fasse un fou. Ah, j'ai pas fait la. Fasse une faux. Une fois c'est hier. Ah, qu'est-ce qui me manque? Petit peu de bois. Ah bah tout de suite quand on baisse les gamins c'est beaucoup mieux. Ça pique moins les yeux. Ah bonjour! Attention, je t'endors, hein. Ça, je vais chercher du bois. Normalement, les wyvernes elles sont tech aussi. Que je fabrique mon fouet. Ah bon, je peux fabriquer mon fouet. T'as vu les oui oui tech? Je sais pas si on peut les tam celle-là du coup. Ou est-ce que les œufs sont tech du coup? C'est la grande question. Est-ce que tu peux les tam ou est-ce que tu vois elles sont en. C'est les œufs en fait que tu vas chercher qui sont tech quoi. Moi, je dirais les œufs. Après c'est pareil, on pourrait rajouter l'extension. Avec les rock drake et du coup on aurait des rock drake tech aussi du coup. Alors. Faut que j'aille boire un coup. Il n'y a pas de giga, bizarre. Ouais, moi c'est bien. Non, mais oui, c'est bien. Ah, y'a un brontothèque. C'est vrai? Ouais. 130 mouillas. Sur la plage en bas là, en dessous D'accord. du. Tant qu'on est là, on va ramasser. Peut-être faire des parachutes pour sauter là-haut. On va ramasser un peu de soie, un peu de fibre. À la tronche que t'as. Ouais, ça va, ça va. Cette T'as mantis. des implants plein la queue. Ok. Y a pas un petit terrain qui traîne là? Est-ce que je suis en train de chercher un peu ça? Ouais, des ovies instables, il y en a plein ici. Ouais, c'est blindé. C'est blindé. Hein. Faire un petit café. On va se faire de la peau. Ok, hein, j'ai vu un mushroom là-bas, tech. Coincé dans le dans la balette, quoi. Ah, j'ai vu un listrosaur toc Yo, toc. Patrick! Comment il va le Listrosaur toc Patrick? la Il va bien. Il travaille ce matin le Patrick. Il a une petite pause.
Non, 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 je te prends une petite poche, une petite tenue. Ok. Petite tenue, prends petite tenue. Ça, mon Patrick. Café time, bye. Normal. Hop, il coule le petit café. Comme lundi matin, c'est ça. Alors j'allais dans quel sens? Dans le sens là. Bon, vous, vous êtes pas tech. Je suis juste Mustam. À défaut d'être tech, il aurait pu être 150, mais bon. C'est beau de rêver. Bah ça roule, écoute, ça va, ouais. Tranquille. On est sur bah, le nouveau cluster là. On a démarré. Level, de quoi mon terrain? Ouais. Que j'ai chopé, il était 90. Il était pas terrible. Et puis voilà, on a démarré complètement à poil, hein, sans rien. Sauf un chibi. Sauf mon chibi. Au début, je voulais refaire un perso, mais vu que mon perso était dans l'obélisque. Hein. J'ai pas pu. Bon, vous pouvez me donner un Terra HL, les gars? On en parle de... C'est un tech, ça, non? Ah ouais, c'est un tech. Un tech quoi? Tech titanobois. Tech cheval? Tech titanobois. Bah, j'ai cru que c'était un golem tech, non, c'est un autre tech bronto, là. De loin j'ai cru que c'était un ouais t'es plus avec moi le matin et puis bah le soir tu joues pas trop tard donc forcément on n'arrive pas à te croiser Patrick. Je peux le brancher, je préfère des parachutes. Yes. Tu tapes, c'est compliqué. Tu vois, si on peut pas se faire un argent ta vis. Ouah, des gants de camouflage mythique. Ah ouais, il y a un outil. Ah bon, restez où ça. Je prends même pas le risque. Bah ouais, je suis bon. Ouais, c'est pour ça, tu vois, ce que je comprends, hein, t'inquiète. Hein. Non, mais c'est pas grave. Ah, ça, c'est un pternodon lightning, on s'en fout. En plus, le soir, cette semaine, toutes les soirs, là, je vais être sur, sur The Hide. Je prends un fond The Hide d'abord. Avant Genesis 2. Avec des petits jeux par-ci par-là. Ce que je disais, j'avais acheté avant un... pour pouvoir stream ma Switch un truc à le gâteau là. Mmh. Qui coûtait 150 balles. Et du coup, vu que je ne jouais pas plus que ça à la Switch, j'y joue mais pas en streamant. Du coup, je l'avais renvoyé à Amazon et puis il m'avait remboursé, tu vois. Je dis vas-y, je dis bon, faudrait que je trouve un truc moins cher, tu vois. Je t'ai regardé sur Amazon, je trouve un truc à 10 balles. 10 euros. Hein, 15 euros exactement, 15 euros, pas 10 euros, 15 euros. Ouais. Ça fait le même taf. Ça fait le même taf. C'est pas ce qui est le truc qui ressemble à une clé. Non, non, c'est pareil, c'est carré, c'est un petit truc carré qui est gros comme ça, et puis... T'arrives avec ton HDMI d'un côté, tu repars avec ton HDMI de l'autre, en USB sur ton PC, et puis ça fait exactement le même taf. 1080, ouais, 4K. Je crois pas, Non, mais Amazon, ils sont super cool. Le nombre de trucs que je me suis fait rembourser 6 mois après que je les avais utilisés. Non, mais quand t'es Prime, généralement, ils te cassent pas trop les couilles.
Et du coup, bah voilà, bah, je peux stream ma Switch pour 15 balles, au lieu d'avoir payé 150 balles. Donc très bien. Donc vu que j'ai racheté des jeux là pendant le confinement pour mon fils parce qu'il joue pas mal à la Switch. Du coup, bah j'ai du Mario, j'ai du Luigi, j'ai du Pokémon, donc on va pouvoir se faire des petits streams aussi. On sera des petits streams VisDev là-dessus aussi, ce sera sympa. Après, je sais pas le pourcentage de Dino Tech par rapport à Dino Classique, concrètement. Là, j'ai viens de voir Oh, 3-4 argentés à vis. deux brontos là, du coup. Oh, il va peut-être prendre de la place les deux brontos Le là. Jungle Mégalodon. Normalement, Mais il y a il a pas le. faim, il a soif. Quand il a pas soif, il a faim. Ah. Putain. Ah, bah, il y en a un. Y a un... C'est quoi le tech là qu'il a? Tech en kilo. Allez chercher un kilo aussi, mais j'en ai point vu. Ah, c'est le seul que j'ai eu, c'est un level 20 R. Oh, il est sympa, je trouve, hein. Petite tête là. Et moi, je me suis mis l'objectif, c'est vraiment soit que des dinothèques ou soit vraiment des dinos du mode pour nous aider, quoi. Du mode élémental, quoi. Pas trop envie de me casser les pieds. C'est la crise ici. Hein. C'est la crise. On va remettre de la musique. Hop. Bonjour, je vais me retrouver à tamer un dodo, mon gars. On va passer au côté de barrage de castor, voir si on peut pas piquer un peu de ciment là. Argentavis. Argentavis. Il y en a un plus petit barrage là, peut-être il y a un monde. Là c'est full castor. Avec plein de merde autour. On en parle des deux Donc j'ai le mégalosaures qui castor. dorment là. Il y en a qu'un. Alors, on va s'approcher au maximum qu'on peut s'approcher. Vous êtes prêts? Tu crois qu'avec le transfert gun, je peux transférer du barrage à castor dans le truc ou pas? Attends. Essaye. Moi je dirais non, mais Ce serait trop pété. Omni Araneo, on va la laisser Non, c'est tranquille. pas là. Si. Je peux pas. Ça aurait Ça été serait pété. pété, mon gars. Des bisous, mon Patrick. Courage, monsieur Pat. Travaille bien. Je m'approche un petit peu dangereusement. Regardez, je me fais attaquer par la planète entière, quoi. C'est quoi qu'il y a dans l'eau, là? En tech? Comment le Rex il a fait pour remonter de là jusqu'à là? C'est Ah oui, quoi? il a C'est pas une nous, mais on va pas carbonémis? eu. On est d'accord qu'il y a un truc dans l'eau, là. Il y a un truc bizarre dans l'eau, là, non? Y a pas de wave. Salut Zetini. Vous allez me lâcher les castors là? Ah, il y a un truc dans l'eau, on est d'accord. Je sais pas ce que c'est. Par contre, vu que les castors ils m'envolent, je vais pouvoir faire mon truc quoi. Je vais aller voir ce que c'est. C'est une carbonémis ça? Tech? Allez, tech. Tech castor, ride. C'est un tech castor? Ah ça y est, ils m'ont lâché, je crois. Merde.
Je vais descendre de mon truc, ils vont me défoncer, non? Bon, je vais mourir, hein. Normal. J'ai pas trop descendu, je peux pas. Oh oh, oh ouais, y a pas de oui, gros. y a pas du tout de oui-oui dans la faille? Ah, non. Ah, je suis dedans, gros. Je suis même descendu dedans, là. Dans la faille, il n'y a pas de oui-oui? Attends, je vais me suicider. Ça me paraissait bizarre, j'en voyais pas au loin, elle s'approchait, rien du tout. Il n'y a pas d'eux non plus? Ah, du coup, les œufs, je peux pas te dire. D'accord. Parce que, tu sais, tu les vois pas, du coup. Soit t'es trop haut, soit t'es trop bas, pour voir les emplacements des nids. Mais, y a pas d'œufs. Un tech d'immorphodon là. Attends, y a peut-être quelque chose, on va peut-être devoir ici là. Ah bah oui, mais c'est pas Steak qui les a tous tués aussi. Ah ouais, voilà, vilain pastèque. Y a même des coélacanthes tech quoi. Ah, t'as fait le ménage? Ah, bah voilà. Bon, est-ce qu'ils vont me lâcher les castors hein? Pastèque, t'es un faible. T'es venu avec tous tes dinos. Vas-y, hop, refais du narcotique, toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Combien de temps va vivre le Ptera, les gars? Non mais je me suis approché d'un truc et ça m'a mis... C'est bon? En fait je me suis approché d'un truc et ça m'a fait comme si que j'avais... Et que j'avais, tu sais, j'avais mangé une fleur rare. Attends, on va retester. Attendez, on va retester. Ah, il y a le castor et la tech. Je le vois. Et je sais pas ce que c'est qu'il y a dans l'eau là. Il y a un truc dans l'eau. Attendez, mamie test. Mais dans l'eau, des trucs à castor ou... Dans l'eau, je sais pas, dans l'eau, il y a un truc bizarre. Arrête le terrain en saoule. On meurt, on s'en fout. Parce que du coup, c'est pas obligé d'aller le rechercher. Il va se retrouver avec... avec une comment? Une ammonite dans le truc à castor. Non mais il y a un truc bizarre, je te jure. Je sais pas ce que c'est. Ok. En fait c'est un barrage à castor mais dès que tu t'approches, ça te donne en Ah mais fait... t'es sur les grands là, non? Non, 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 en fait c'est un barrage à castor tech. Et dès que tu t'approches, en fait, ça te donne un buff comme si tu avais mangé une fleur rare, en fait. Et ça m'a donné bah, full truc du mode. Ok. L'opsy, ça m'a donné de l'opsy, ça m'a donné de la poussière d'éléments, ça m'a donné du lighting metal, là, du lignium metal, là, je sais pas quoi. J'ai ramené du ciment. Est-ce qu'un écu ça forme comme un ours? Je crois pas. Ça dépend ce que tu veux. Non, parce que l'ours, il y a certaines choses qui farment que d'autres dinos ne farment pas. Bah, à certains Ah bah endroits, en tu fait. spawns où tu veux après, tu fais ton aventure, le tien, tu spawns où tu veux.
vais faire un peu de narco là. Ouais, 150. Je suis parti là, je viens de faire des flèches là et je suis parti rechercher de la narco. Ah bah non, tu ne rejoins pas. Non, non, non. Ah non, tu fais ta petite aventure à toi. Aventure tranquille. Ok, j'en t'ai. Ah, bah le voilà le Brontotech. Ah, il y en a un autre en bas sur, sur la plage aussi. Hein. Ouais, la gueule. Hein. Ça, c'est le noir ou le gris, non? Ouais, non, le noir. Il y en a un avec les couleurs jaunes sur la plage en bas. Là. Mais on s'entraide beaucoup, hein, t'inquiète pas. Même si t'es pas perdu, c'est pour ça que je te disais, n'hésite pas à aller en vocal. On sera là pour t'aider s'il y a besoin, mais... Alors ça, ça... Ça nous fera un bon petit stock de narco. Ok, on va déjà ramener ça, j'en ai combien? 2600. Coucou Lilis. Ah bah ouais Lilis. Elle en pose à Lilis. J'ai quelques narcos. Ce matin. La reprise, ça a été. C'est pas trop le bazar. Bah oui, je sais que t'es en pause. Merci. Merci beaucoup. Je suis retourné au travail, bah oui, travailler, bah oui, ma pauvre. Horrible police. Surtout savoir si c'est pas trop le bordel, quoi. C'est-à-dire que moi, il y en a deux, ils étaient contents d'y retourner, hein, ce matin. Ça va, c'est calme. Ça va. Rentré par effraction dans la grotte, je l'ai vu. Ouais. Vas-y, mais quel vilain, celui-là. Alors, on peut pull là-dedans, yes. Narco 2900, parfait. Hop. Il y a un Quetzal. Ok, ça va faire, ça va faire. 15. Ah bah les Wears en pop. Il y a un nid avec un 9 85. Ok, je repars à la recherche du dino volant. Je t'ai éclaté. J'ai réussi à dormir que 2h30. Ah oui, bah m'étonne, c'était fatigué. Ouah, Lily, ça fait partie des vilaines. Je pense que ça bouffe les dinothèques, ça bouffe de la viande. Bah oui, il faut se rhabituer quoi.
T'es combien toi? 45 minutes? T'as vu Lily, c'est le mode qu'on avait essayé avec Mew et puis du coup qu'on n'avait pas fini. Du coup on l'a installé sur une autre map sur le cluster. Du coup, vraiment, il n'y a que cette map là où y a le truc. Donc, comme ça permet aux gens, ceux qui viennent de l'extérieur du cluster, s'ils veulent faire vraiment que cette map là, ils peuvent la faire quoi. Puis tout le monde repart de zéro, du coup. Ça, c'est assez cool. Pas de soucis, Malélise, des bisous. Les monstres reviennent. Ah bon courage, Elisa. Des bisous. Plein de bisous, Maïs. Donc les dinothèques mangent de la viande. Hein. Je pense que enfin, il aurait fallu vraiment ça allait se faire chier pour Non, mais ça faire se trouve, tu vois, peut-être qu'ils auraient pu se nourrir, tu sais, d'un des trucs du mode, tu vois, de leur mode, tu vois, ça aurait pu être possible. Hein. Je sais pas, de la fibre ou de la poussière d'éléments, un truc comme ça, tu vois, c'est quoi dire, mais ça aurait pu se faire. Hein. Oh, il y a un beacon rouge, on va aller voir. un pteranodon lightning 145. Ça peut être bien, ça. Ouais, mais faut-il que le bolas fonctionne? Rappelle. Ah, bah oui, c'est vrai. Ah, moi j'ai réussi à les bolas, les techs. Hein. J'ai plus de soucis là. Ouais, tech, mais là, vu que c'est un lightning. Ouais, c'est bon, c'est bolas. Bon bah voilà. Ok, il dort le monsieur. Parce qu'on en fout du fusil d'assaut, mais on a un fusil d'assaut mythique. Grinder. Grinder. C'est quoi ça? C'est des techs ça? Tekpachi Rhino Therium. Ah, j'ai une tech carbo là. Je vais voir la gueule qu'elle a en vrai. Tech carbo, je vais voir la tête qu'elle a de près. Bonjour, je cherche un Argentavistec. Elle l'a pas vu?
un Rex. Non, Rextech. Rex classique. Il va descendre sur ma gueule. Il est en train de se battre. Si, il va descendre. Ouais, bah j'ai pas peur. Au revoir. Bisous. Salut, Golem. C'est vrai que j'ai pas fait de soul, moi. Attends, je vais prendre ça en attendant. Vais me faire un petit machin, ça Bon, prendra le augmenter les temps. gammas, parce que j'ai l'impression que c'est un peu noir. Ah, les matra. Pa pa pa. C'est quoi tech là qui attaque là? Y'a un truc tech là qui attaque là? Terror Bird Tech non? Ouais ça, Terror Bird Tech Terror. 145. Ouais, je... Ah une chouette! Tu m'as pas vu la chouette? Une chouette tech? Non non. Classique. Ma gueule, lui. Teratech, j'en ai un là. Bon, il est à côté de la planète entière. Mais il a même pas pris le volant en fait. 20, 40. C'est quoi ces niveaux de merde là? Galiminus Tech. Il vient de voler. On parle du Galiminus, hein? Bon, il doit être stylé le Galiminus Tech. Oui, sympa. Il court plus vite du coup. Ok, j'ai mon Ptera Lightning du coup. 117. Je vais aller lui faire une selle. Mon gars, j'ai pas encore vu un Ptera Tech sauvage. Bah là, j'en ai deux là, mais ils ont des niveaux pour H quoi. Okay. 20 et 45, je peux prendre ça quoi, tu vois. Chier quoi. Il me faut de la viande là pour les saouls. Super Saiyan! Ah ouais, j'ai un Super Saiyan, les gars. Ah ouais. Faut que je lise un peu plus le mode parce que ça se trouve, il y a peut-être une commande dans le game user setting à mettre pour avoir plus de dinothèques qui pop. Sans modifier, tu sais, le pop des autres dinos, quoi. Ah ouais, c'est possible ça. Merde, l'arme. Est-ce qu'on va le trouver notre argent de la vistec là? Oh, le Quetzaltec, il est trop bien, il est trop beau, ils l'ont refait.
Ah, il est pas en version classique du coup, c'est en version. Non, mais leur faire leur version à eux, regarde. Version. Ah, tu vois pas sur mon stream, mais regardez, il est c'est vachement joli. Hein. Ouh, j'ai froid. Ouh, j'ai froid. Ouh, j'ai froid, je me les pèle. Ouh, le Managartech. Attends. On est d'accord? Ouais, le Managar, c'est Managartech. Mais il est juste marqué Managar. Non, c'est un Managar de glace. B, attends. What? Reviens là, toi. Attends, je comprends pas là. Et on en parle du Diplocolus Ice qui est au beau milieu de la. Il n'y a pas d'eau ici, hein, monsieur. Hein. Faut retourner dans l'eau, hein. Papa maman là. L'argent de ta vie, c'est trop putain. Venez les copains, Ah, par contre, le regardez, Managar, regardez mon frère. ça m'intrigue. Alors, est-ce que c'est un défaut? Mais j'avais l'impression qu'il était. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est un Tech Megatherium. Ok. Mais reviens là, mais il est parti où encore? Ah bon, on l'a perdu. Je peux aller. Bon, toi, tu me suis, je viendrai te rechercher, hein? D'accord? Ah, le duglan. Ah, tant pis, rip. Oh, l'Argentavis steak. Ouais, niveau 20. Avec des Ah, cochons, tu vois. super. Ah, super. Nique ton fiche. Vas-y. Pareil. Tu cherches, tu trouves pas. Mais le managar, ouais, ça m'intrigue, il était bizarre. Alors là, il y a un managar normal. Cela est tout à fait normal. Il y en a plein ici sur la map, les managars. Ouais, t'es Allez, bugué, on sait. dépêche-toi, toi, suis, tu suis, vite, cours. Arrêtez d'être médisant comme ça, c'est parce que vous êtes jaloux, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il dit? Foutez la gueule de ma carbonémis, les bâtards. J'ai ta mine carbone, on dirait un super saiyan, gros. Vas-y, mais pose-toi le terrain. Mais attends, c'est où? Allô, le terrain. Pourquoi je peux plus Bien monter démeubant. dessus? Alors du coup ils ont pas mis des selles avec le mode? Je peux regarder. Je sais pas, je crois pas. Je sais pas du tout. Allez, viens, toi, que je te fasse une selle. Ah ouais, il y en a un autre là. Le Managar. Il y a des C'est à Managar quoi? Tech. C'est Managar Tech. Mais sauf qu'il m'a juste marqué Managar en fait dessus. Il y a un Tech Mammouth. Bam. On va faire ça. Comment ça, elle est dégueulasse ma carbo? Bah récupérer tes dinos sur ton île, met-il là. Dire que ma carbo est dégueulasse. Quoi? Puis Medfil il est même pas venu me dire bonjour, vas-y, mais nique toi, toi. Toi t'es marrant, la prochaine fois qu'on joue à Zia ensemble, je te tue. T'es marrant en premier, Med. Mère! bam bam bam. On va poser ça. Comment ça, si je la gueule de ma tortue? C'est quoi ça? Oui, c'est le mana. La gueule.
Je suis désolé, c'est un peu des découvertes aussi, parce que bon. Oh, Technodon. Ah non, je croyais 140, mais non, 45. 85. J'ai pas installé Arc, t'es faible. Ah, ça y est, je suis plus à pied. Je vais pouvoir voler. Enfin. Ah, par contre, il y a Récupère un peu de stream. 187 de poils, bordel. Je vais chercher ma tortue. Donc le niveau c'est pas ouf quand même, hein. C'est pas ouf de ouf. Hein. Faut que je tue des trucs là pour... Tech Carnot. Ils font. Oh, il y a un tech, je crois. Mais non, c'est juste tout jaune. Ah, Rex. Alors, on va les foutre ça là-haut. Et ma 4. Pas vu Triceratops tech. Triceratops tech. Pas facile à dire ça. Non, c'est pas facile, c'est Triceratops tech. Vas-y. Triceratops tech. Ah mais non, Tu vois bien. c'est pas le jeu. Mais je sais que t'étais là, mais Il y a plein de cristal là, mais. Je cherche la trêve. Griffin Air. Après, je me pose la question si le mode élémental il prend pas aussi le pop des dinothèques, tu vois. C'est possible qu'il en prenne une partie du coup et que ça soit divisé entre les techs et les élémentaires, hein. C'est possible. Pardon. Oh bah je suis mort. Comment ça t'es mort? Griffon me touche, une dieu. Ouais mais t'inquiète, c'est pour t'embêter que je dis ça, mais pas de soucis, hein. Moi, quand je dis ça, Med, il vient pas pour autant, hein? Hein, Med? Attends, la pince du gars qui serait tombé là-dedans, c'est jamais des fois, faut se méfier. Putain, je peux pas boire là-dedans? Bah non. Elle est où? Bah elle est monsieur qui là. Ok, mais j'arrive, j'arrive. Les petits copains, juste 30 secondes, j'ai un colis qui arrive.
Je vous laisse avec le vilain Skyjo, du coup, et comme ça, au pire des cas, si je meurs, bah voilà. Je me mets là, hop. Je vous laisse avec le vilain Skyjo. Je laisse avec les copains, je reviens, je vais chercher un truc. Oh, c'est quoi ça là-bas? Ah, mais c'est un tech pteranodon, il est level 20. Il est tout pourri. Tout bidon. Au pire, on fait ça et on dit c'est une lampe. Ok? On dit allez hop, c'est une lampe. Ouais. Tiens la lampe. Lampe de chevet, oui. Là-haut, c'est quoi? Un diplôme? Bah non, je donne pas mon chat. Pourquoi tu veux que je donne mon chat? Dépêche-toi de bouffer ou je t'envoie la tortue. Elle va te tuer. La tortue, elle va te buter. Meurs. Impeccable. Une lampe de chevet, une.
Mais vous avez vu, ça tombe partout! Oh le bordel! C'est un coup à se faire couillonner ces trucs, ça? Regardez, ça a glissé jusqu'ici là! C'est à moi. Alors, du coup, il nous a donné quoi? Du cristal, du carbon plate. Yo Sangui, ça vaut quoi? Graphene fiber, lightning metal, magnésium, magnésium powder. Ok. Ah oui, mais du coup, quand tu les tues, ils donnent pas de peau. C'est vraiment pas de peau, ça. Non, 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 j'ai la spyglass activée, j'essaye de faire gaffe. Hein. Je pourrais me faire choper par un petit Tilacoléo. Mais alors ça veut dire que ça, si on les bute, ça nous donne des trucs tech. Ah oui. Donc faut buter les poissons. Ah oui, voilà. Ah, ça donne des lingots de ferraille aussi. Possiblement. Ok. Vas-y bien, Tintin. Ok.
celle de Ptera Mythique là. Hop là. Putain, je suis trop lourd. Petite veste en chitine là aussi, on va la mettre. Un ankylo et ensuite on ira au métal. L'endroit, on a les outils. Regardez, je vais poser ma lampe de chevet. Excusez-moi beaucoup. Alors, il y en a un qui va faire un long dodo. Oui, ça continue, oui. Alors, j'ai reçu ma pergola. Ça, et puis ma mère était là parce que j'ai une fuite sur mon spa. Ah, ça c'est con. Que je trouve pas. Voilà, impeccable, la lampe de chevet est en place. T'as mon sanguis, tu vas bien? Au travail ce matin, mon sanguin. Allez, go à la recherche. De quoi? Qu'est-ce que tu dis, Sky? On va voir ce qu'on trouve là. Si on peut pas trouver un petit ankylothèque ou un truc du genre là, pour être sympathique. Ouais. Oh, putain, t'es asthmatique quoi. Par contre, quand tu butes, t'as déjà essayé de buter un Ptera en vol? Tech? Non. Ah, oui, c'est bordel. Mais tout se détruit. En fait, les dinos tech, bah ils se détruisent en mille morceaux. Il y en a partout, du coup. Oui, il faut que tu ramasses toutes les ressources. Tu peux ramasser les ressources après. Du coup. Par contre, on en parle où il y a masse griffon. Le mode, il emmène masse griffon. Hein. Le mode élémental. Ah oui, bah là, non, on l'a dit, là, je commence à partir vers le... Où je suis là, il y en a 40 des griffons. Il y a au moins, il y a 5-6 griffons. Mais pas un seul griffon tech, quoi. Petit café des familles.
Non, il faut que je regarde. Faut que je mette tout à l'heure, faut que je me mette dessus là, voir si. Sur les spawns? Sanguis. Ouais, sur le spawn, parce qu'il s'il y a, à mon avis, il doit y avoir un truc à faire. Ah, Pastèque, il est content, il a une émote café. Oh, une mantisteak, mon gars. Tu travailles pas ce matin, mon Sanguis? Suis en congé toute la semaine. Ah bah viens avec nous. Viens jouer avec nous. C'est une nouvelle map du cluster qui est ouverte. Tu peux venir avec ton perso et tu viens. Personne n'a commencé dessus. On a juste commencé ce matin. Ou en fait le mode il a changé. Enfin, c'est toujours, il y a toujours le mode élémentaire. Mais en plus Oh il y a le putain, mode. bois tech. Il y a le mode de Dinotech. Un projet K il s'appelle. Il y a plein de Dinotech du coup, comme tu vois le Ptera qui est là. Si tu veux venir, hein, t'es bienvenu. Hein. Tu transfères ton perso et puis voilà. Je vais tamer un titan bois tech, ouais, c'est sûr. Alpha Tech Carmo Taurus. Putain, il y a un alpha là, un alpha tech en Carno. Pourquoi ça trigger à chaque fois qu'on dit tech? À chaque fois que Tech. vous dites tech, ça me trigger. Bah bon, tech, 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 tech. tech, 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 rentrez. J'avoue que la Carbotech a une espèce de tête. On dirait Sangoku quoi. Et t'as vu, j'ai ramené une lampe de chevet. Ah non, attends, mais je suis pas arrivé encore Hein? à la base. Ah, t'as vu, il y a une lampe de chevet à la base. Il y a un golem tech là. Non, c'est pas vrai. Putain, mais par contre, je vais me poser à côté d'un Utyranus, c'est sérieux ça? Et ben, on va renommer les dinos du mode. Les dinos du mode, on va les renommer. C'est des dinos steak. Les dinos steak. Oh, un dino steak! Ou un steak de dino, ça dépend. Putain, c'est atroce les terres en tout cas. Ok, pas de soucis. Ouais, pastèque, T-Rex. Première fois que j'ai joué à Ragnarok, je me suis installé ici, où je suis là. Moi j'étais à la Ligia du désert. Hein. C'était en RP. J'étais là. Je faisais éleveur de Tila Coléo et puis tu sais quoi. Un, deux, trois trucs, puis je m'étais installé là. C'était trop bien ici. Salut Skype! 59, tu vas bien? T-Rex. Spake. 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 Pa, 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 pa. Ah, je crois que on a. Et non, c'est un truc, ça a tapé sur terre. Bon, allez, hop, café, maintenant qu'il est coulé. Oh, la tech carbonémie 150, vas-y. Ok, bah oui, faut que tu t'inscrives là-bas. Bah, toute la semaine, si tu veux, Sanguy, on en fait. Alors après, c'était avec Saku, bah, pas de soucis. Mais si tu veux venir aussi cette semaine, on fait du ZI quasiment tous les soirs. Ok, bon, on va abandonner l'idée. On va abandonner l'idée. Ce code là, carbo? Ouais, viens par là, le Ptera. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, j'ai essayé avec mes pics, je lui filais aucun, quasiment pas de torpeur. Ah, j'ai fait à l'arbre, moi. Et en plus, là, c'est une 150 toi, là. Bien. J'ai aucune flèche. Ouais, ça doit être que dalle en torpeur. J'ai aucune flèche sur moi. Après, j'en ai plus là pour regarder ce qu'il y a. Je crois qu'il y a des sensu tech. Moi je veux une sensu tech. Je sais pas. Pastèque, c'est un Pastèque.
Medfield, retourne sur le live à Medfield que je te théo vite fait, s'il te plaît. Navi, est-ce que tu peux ban du coup Med? S'il te plaît. Laisse-moi tranquille, le castor. Hein. Je pique juste ce qu'il y a chez toi. Merci, Navi. Hop là, merci. En ce moment, hier, j'étais en... Qu'est-ce qu'on était hier? On était en Allosaur hier. Et mardi, parce que ce soir, je suis en off, mardi, on sera en Stego. On fera full Stego, mardi. Là, on va faire la technique à l'ancienne. Alors, celui qui a pensé à ça, il a mal pensé. C'est Nia Castor ici, avec les cascades. Et du coup, ils sont trop faciles à faire au début. T'en prends un et ensuite tu fous tous les castors en bas. On fera certainement des nests pour ceux qui veulent être en Stego. Je fais un appel du pied à Skyjo, tu vois. Venir faire Stego. S'il veut venir faire Stego mardi soir. Mardi soir, je sais pas. Enfin, je ne sais point du tout. Commence quand Conan là? Bah là on finit tranquillement les réglages etc. Ouais. C'est vrai que les réglages Conan c'est un peu le bordel. Parce que t'as les consommations, genre je sais qu'on avait eu des problèmes avec les consommations de charbon et tout à l'époque. Ouais bah. T'es obligé de revérifier tous les réglages un par un parce que sinon c'est le bordel. Et puis je pense que le serveur sera setup correctement au milieu de semaine là, tranquillement. Temps de faire les tests côté et tout. Pour voir si tout fonctionne bien, les petits modes fonctionnent. Bah, Sanguis, si tu veux, mardi soir, on peut te nest en Stego. On fera déjà des Stego full, donc. On sera Sanctuary, et puis on fera des nests là-bas. Des nests, café. Ah, c'est ça, en fait, le Stego, quand il est tout seul, c'est un peu plus facile. Nique-toi, toi. C'est un peu plus facile, tu vois. Par contre, quand il commence à être 2-3, là, c'est compliqué, quoi. Attaquer, c'est... plus chaud quoi. À quand d'être by daylight? Je sais pas, faut qu'on voit, faut qu'on se cale ça. Faut que je vois. Ça, Hunt. Faut que je retélécharge un milliard de jeux avec le connerie. Tous les jeux que j'avais effacés 2 jours avant, je les ai remis du coup. Du coup j'ai fait quoi? Je fais 952 ciment là, ça peut toujours servir. Je crois qu'il faut faire gaffe, c'est un spawn à griffon là près des castors là. Oui bah tiens il est là-bas. Super. Alors tu regardes tous les dinotech quasiment, ils ont des niveaux de merde. Tu regardes les carbone et mystech quoi. Ah mais lol. 150. 150 ou 145, mais mort de rien. Des bisous, mon sangui. Ok, pas de soucis. Oui, mais mec, je les ai proposés, c'est bien parce qu'on me les a soufflés, tu vois. Oh, y'en a un, la tech. Il est quel level? Il est là. Un tech quoi? Pteranodon. Ouais, bah ça doit être celui que j'ai vu tout à l'heure. Près des caches à castor là, entouré d'argent à vie, ou le petit beacon rouge là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oui, c'est vrai que mon pteranodon, il y a une selle mythique, moi déjà. Putain, il y a un terrain de compète. Celle de Baryonis mythique. Ah bah tiens, celle de Ptera mythique et botte de camo mythique là. Allez, pose-toi le beacon. Pose-toi le beacon. Regarde ici, en bas, c'est le coin des spinales. Il faudrait que je tue des trucs. Non mais Med, tu dois être au courant que, depuis le temps, les jeux de merde que vous me proposez, si j'ai pas envie d'aller dessus, j'y vais pas. Ah, j'y vais parce qu'il m'intéresse, je les prends parce qu'ils m'intéressent un minimum. Un jeu qui m'intéresse pas du tout, un dead game qui m'intéresse pas du tout. Bientôt on fera des procs de Rex, nous aussi.
Vu qu'on peut être quand même. En fait, on a calculé, on peut être 8 ans ensemble. Au global. Deux adultes, deux subs, et on peut être 4 juifs. Donc du coup, en fait. Du coup, on peut jouer en groupe, quoi. C'est ça qui est cool. Donc on va attendre d'avoir plus de points. Il y en a deux, ils paieront pour avoir des rex full. Et on fera des bébés, du coup. Et on fera masse bébé avec les copains. Et puis du coup, bah là qui monteront sub et puis. Et d'autres qui resteront en juvie, puis voilà quoi. Ça C'est peut être sur super Rémi cool. un Rex, non? C'est pas ça? Ouais. On le programme pas. Pas pour une soirée. Je veux voir un tri-steak, moi. Un dino-steak, tu vois. Oh, un spinothèque. Ah oh ouais, ça doit être stylé, ça. Vous étiez une famille full, hein? Ah ouais. Cool. Non, mais en plus, quand tu as, sachant que deux sub-rex full, c'est-à-dire vraiment full, là, quand ils sont prêts à gros, ben, c'est la puissance. Celle de Barrio, désolé, je garde pas. Celle de Ptera Mythique, on garde. Ouais, m'étonne que c'est la galère niveau bouffe. Hein. Les chaussures de camo, on garde. Alors, est-ce qu'il y a des trucs Ah, il intéressants faut chasser près du de joueur pour en ici? dévers tout le monde. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Alcaïen, ça va être l'anarchie, je pense. L'ours 145. Tech. Il est trop beau. Vas-y, tame-le. Ouais, j'ai rien pour le thème. Même sans miel et tout en plus, ce serait tellement long. On a du mouton. 5 moutons, hein. Pas vite. Attends, y a pas de spino tech là. Je regarde si c'est. Moi pour l'instant, j'ai pas vu une grande diversité de dinotech. J'ai Non, vu moi non plus. dodo, terra, carbo. Non, mais il y a un peu de tout, Lustro. mais pas énorme, tu vois. Je pense que vraiment le Lustro mode, Terra, j'ai vu. à mon avis, le mode élémental prend le pas en fait dessus. Ah si, là, il y a un tech Carnot qui vient de bouffer un tech, je sais pas quoi. Un tech Carnot, il est quel level? Je vais faire un Tech Carnot. dino pour kill du dilo. Cerato, Allosaur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dilos. Cerato, Allo. Gros, ouais. Pour moi, c'est ce que je te Meurs. conseillerais maintenant. C'est compliqué, quoi. Allez, venez bouffer, vous. Bah, tout dépend parce qu'en plus les dilos ils peuvent être 7 ou 8, je sais plus. Donc c'est Ah. chaud quoi. Ça fait. T'es mort. City Day. J'avais la flemme de Oh. faire leur tour en volant. Non, t'es Alors mort. là, il devait y avoir plein de dinothèques, mais ils ont tous été bouffés. Je ramasse leurs trucs par terre. Ah bah y'avait là un carbo. Lampe de chevet. mon gars, faut le voir en pleine nuit. Oh Faut le là voir là. en pleine nuit, tu vas comprendre. Jaune comme ça, là. Laisse tomber. Stegosaurtech. Ouais, je suis ici. T'as vu un argent, t'as vu Steg? Non, si?
tu J'en ai vu viens un, mais il d'elle. était niveau de merde. Parce que je vois le retourner, moi j'ai des choses à faire en plus. Donc Qu'est-ce qu'on a par ici? What? C'est quoi ça? Un peu. Ah, c'est le Terror Burn Tech. Moi du coup, je vais vous abandonner là pour ce matin. Parce que du coup j'ai pas mal de petites choses à faire là. Il est 11h25. Faut que dans 5 minutes je sois parti. 11h30. Ouais. Du coup je vais vous envoyer chez Skyjo qui va continuer l'aventure. Du coup, hop. Ah, attendez, hop là. En tout cas, merci pour cette matinée, ceux qui étaient là. Merci pour le sub de Navi, qui me fait très plaisir. Merci pour ceux qui ont followé la chaîne. Merci beaucoup. Nous, on se retrouvera du coup demain soir, pas demain matin, parce que demain matin, on ne stream pas. On se retrouvera demain soir sur The Hive, du coup, et on se retrouvera après jeudi matin sur ce serveur-là, sur Ark, du coup, pour continuer l'aventure. Du coup, moi, je vous fais des gros bisous. Je vais vous envoyer chez Skyjo. Hop. Alors, attendez. Toc. Hop là. Tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien, c'est surtout ça. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis du coup à demain soir. Des bisous à tout le monde. Nous sommes les nanas, fiches, jamais les océans.